Malgré leur lot de victimes, les événements de 2021, 2023 et 2024 font désormais partie de l'histoire ancienne qu'il faut oublier. Avec la loi d'amnistie votée ce mercredi par les députés, juridiquement ces faits n'ont jamais existé. J'ai la claire conscience que ce n'est pas un travail facile. Les lois d'amnistie, elles sont toujours clivantes. Plus de 60 personnes ont perdu la vie lors de ces manifestations politiques. Selon Amnesty International, d'importants dégâts matériels aussi ont été enregistrés. L'objectif de cette loi est de réconcilier le pays après 3 ans d'un climat politique extrêmement tendu. Elle permet à Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye de recouvrer la liberté. Mais la question des tortures inquiète les députés de l'ex-PASTEF. Pour torturer, pour faire acte dégradant, c'est une question. Moi, la loi, la loi ne concerne pas les tortures, a précisé Aïssata Tall Sall, ministre de la Justice. On a parlé de manifestations politiques, là, dans la loi d'amnistie. La torture, elle est interdite, elle est formellement interdite, elle est absolument interdite et punie au Sénégal. Depuis son annonce par le chef de l'État, cette loi d'amnistie a été très critiquée par la société civile, des organisations de protection de droits humains, mais également certains membres de l'opposition, en cause la gravité des faits visés qui n'étaient pas jugés. Cette loi d'amnistie nous rappelle celle de juin 1988 qui visait les infractions criminelles ou correctionnelles commises entre le 1er janvier 1981 et le 31 juillet 1987 en relation avec les événements dits de Casamance sous le régime d'Abdou Diouf.